Ah ouais, là c'est stylé. Là c'est stylé quand même. Ah ouais. Ouais. Ah, pour le coup, sacré dé, hein. Ouais, dans mes souvenirs, il y a un gigantesque dragon que tu combats là. Ah, je reste sur ma position, hein. Ouais, le putain de DA, hein, quand même, dans Sekiro. Cette zone est ultra jolie, par contre, dans mes souvenirs, c'est pas non plus la plus simple. Ah, mais là, je crève là, non? Non, ok, c'est bon. Notre Sekiro est quand même bien plus résistant que les. que Fabio. Fabio, il tombe de 2 mètres, il est mort. Ouais, non, le skip de la partie 2 a été patch. Ah non, il a pas été patch, ok. Ouais, pour ça que je dis toujours que le plus important c'est la DA et pas les graphismes. Tout à fait, ouais, je suis d'accord. Après, c'est bien quand il y a une bonne DA et des bons graphismes, attention, hein, mais. Encore une fois, tu vois, Sekiro et même Elden Ring, c'est pas les jeux les plus beaux, mais au niveau de la direction artistique, pfff. Pour qu'un open world atteigne le niveau d'Elden Ring en termes de DA, en termes de décor et tout, va falloir y aller, hein. Bon courage au. Bon courage au prochain. Bon courage à vous. Bon, on en parlait avec Pierrette hier. On en parlait. On parlait de quel jeu qui était magnifique mais qui avait une DA assez peu inspirée. Je sais plus. Il y avait un jeu qu'on trouvait beau mais qui était pas non plus ultra inspiré. Enfin bref. Mais. Bon alors attention parce que là c'est le bordel. Hein. C'est rempli de Zora. C'est rempli de Zora de Wish. Mais. Je sais plus où ils sont. Non, pas Hogwarts. Même si Hogwarts c'est beau, mais au final, oui. Bon. Il y a bien en termes de DA, c'est sûr. Mais je sais plus. C'était un jeu pas connu. Je sais plus. Alors attention, qu'est-ce qu'ils font alors eux? Il est en train de m'aspirer. Alors, il a fait monter en moi une jauge. J'ai pas capté là. J'ai pas compris. Ah, elle est vraiment stylée cette zone. Oula. Ok. Il y a des bonnes zones de farm ici dans mes souvenirs. Hein. C'est pas dégueu. Ce qu'il a fait monter en moi, ah bah la jauge, ce que je disais tout à l'heure. Il y a une jauge qui est apparue en fait quand il m'aspirait. J'ai l'impression qu'il m'aspirait ma vie en fait. Ah mais les animations vraiment, je m'en lasse pas. Hein. Alors voyons voir. Et en fait vous êtes comme les dogos du monde réel. On a les mêmes à la maison. Ça, non, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Merde. La DA c'est super important, par exemple Blasphemous, tout le monde me dit que c'est génial, j'ai testé, et c'est simple, je déteste la direction artistique, j'ai eu un blocage. Ah ouais, pourtant moi du peu que j'ai vu, je la trouvais pas dégueu, après bon, les goûts et les couleurs, hein, totalement subjectif. Ça me rappelle des ennemis dans DS3, les Zora de Wish là? Moi ça me rappelle les Zora de Wish, les... Comment ça s'appelait? Les Albinoriques. Dans Elden. Ah, ça veut dire que si tu finis le jeu là avec l'autre fin,
Du coup, tu rates cette zone quand même. Hein. Quand même, hein. Ça reste quand même une sacrée zone. Elden Ring, il n'y a que moi qui ai détesté le bestiaire ou... Ah, je ne sais pas. Moi, le bestiaire ne m'a pas dérangé pour le coup. Moi, ce que j'ai pas aimé par contre dans Elden Ring, et je l'ai dit dans mon tech, encore une fois, c'est mon jeu préféré 2022, hein, mais c'est vraiment la redite de boss. C'est vraiment le recyclage de boss. Et encore une fois, bon, j'anticipe. Si on me dit, ouais, mais ils ont mis 150 boss, c'est normal qu'ils la redite. Dans ce cas-là, tu mets pas autant de boss. Je pense que le jeu aurait gagné à mettre moins de boss et à rendre le jeu moins, moins long, notamment en enlevant la zone de la neige, que j'ai pas trouvé ouf. Faire des boss un peu plus comment je pourrais dire, d'un peu meilleure qualité, parce que les quelques boss principaux qu'on a, genre Margit, Malikette, tout ça, c'est des masterclass en fait. J'aurais préféré en avoir plus des comme ça plutôt qu'avoir 36 000 chats, 36 000 chevaliers du creuset, même si le chevalier du creuset, attention, incroyable le premier boss fight. Moi, je me méfie, j'y vais doucement parce que ça peut vite partir en couille là. C'est très joli ta flûte. Surprise, motherfucker. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ça sent le trap. Sale pute! Non, c'est pas un trap. Merci Maxi Champy pour le Prime. Mais la DA dans un jeu est ultra importante, hein. On est d'accord. On est d'accord. Combien de fois y a des jeux que je trouvais agréables à l'œil, même s'ils étaient moches graphiquement parlant, grâce à une DA de fou furieux. Qu'est-ce que tu m'as dit, la vieille? Là, t'as vu? Regarde ma jauge. T'as vu ma jauge? Il est affaibli. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai plus de vie! J'ai plus de vie! Il me fait l'amour dans mon cul! Ah oui, puis attention! Attention! Tu meurs, tu meurs. C'est-à-dire que t'as pas droit à la résurrection. Ah, d'accord. Ah, très bien, donc on part sur ça. Très bien, ok, merci beaucoup. Foiré. Ah, en tout cas, niveau level design, Dark Souls 1 est vraiment l'un des meilleurs. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Ah oui, non, mais Dark Souls, niveau level design, c'est... Quoi? Très bien, je suis accueilli en bonne et due forme dans cette zone. Je pense pas qu'il mourra d'ici. What? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Wouh! Ah, il faut que je le renvoie avant de... Il faut que je tape avant de me poser au sol. Voilà, comme ça. Ça, c'est stylé à faire. Bon, bah, je vais continuer par là-bas. Salut, chat noir! On est en 60 FPS, ouais. Ouais. Sur PS5, c'est en 60. Ce qui fait du bien, vu que moi, à l'époque, je l'avais fait sur PS4. Classique. En fait, ils sont pas nuls, hein. Ils peuvent vraiment tuer rapidement. Avant que je fasse gaffe. お若いお人父のことです。我が父は貴族になりましもうずっと。お若いお人。あのような永遠は。
Je m'en occupe. Je m'en occupe, brother. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Attention à ces enfoirés du coup, hein. Faut pas les sous-estimer. Puis ils sont beaucoup. Hein. Il m'a encore d'ici? Je suis vieux! Je suis vieux! Laissez-moi tranquille! Génération YouTube de merde! Avec vos streamers et vos youtubeurs à la con là! C'est même pas un vrai métier! Oh. Je suis vieux. Merde. J'avais jamais vu cette animation, voilà. Ça... Je me suis transformé. D'ailleurs, est-ce que tu comptes faire Octopass 2 dans les prochaines semaines? Je suis en train de le faire. Pour l'instant, je suis en kiff, mais j'ai quelques craintes de défauts non résolus. En fait, je voulais le faire en live et puis j'ai vu la durée de vie. Voilà, on est sur 50-60 heures, un peu la flemme. Je pense que je le ferai... Je le ferai dans mon coin off. Ça sera certainement mon jeu de... De quand je suis en déplacement. Salut, brother. Hein? C'est pas grave, c'est pas gentil. C'est pas très gentil. Mais donc je pense que ça sera mon jeu un peu, quand je suis avec ma Switch et tout, je le ferai tranquillou. Mais en live là, bon, ça va durer 50-60 heures. Ils sont chauds eux, dans mes souvenirs, ils sont très très chauds. Ok d'accord. Ouais, c'est très long Octo 2, hein, c'est ce que j'ai vu. Sur How Long To Beat, ils ont dit 50-60 heures, mais... 50-60 heures, j'imagine que sans les dialogues sur Octopass, ça fait 4 heures. Oh, qu'il est bédisant. Il est pas gentil. Mais moi, j'avais bien aimé le 1. J'avais fait un tech dessus, d'ailleurs. Tout ça pour... Poudre à canon jaune, je prends. 4 poudres à canon jaune, let's go. J'avais bien aimé le 1, j'avais adoré les musiques et tout, bon j'en avais déjà parlé mais il y avait ce gros défaut au niveau de l'incohérence, en fait que tu contrôlais 8 personnages mais les 8 personnages ils se croisaient quasiment jamais. Et du coup ça pouvait arriver en fait que sur le papier tu sois avec 8 personnages mais que il y en ait un des 8 dont c'était le scénario qui était en cours se fasse prendre à partie par 3 autres gars. Alors que sur le papier, il y a tes 7 autres alliés avec toi. Mais comme c'est le scénario de la meuf et qu'elle se fait marave la gueule, ah bah non, on considère que les 7 autres ils sont pas là. Et ça, c'était vraiment une incohérence que j'aimais pas, ça. Bon allez. Ah c'est plus simple quand vous êtes tout seul hein. Ouais la magie du scénario tout à fait. Ça m'avait un peu saoulé ça mais bon encore une fois ça m'a pas empêché de bien aimer le jeu. J'avais bien aimé Octopath Traveler vraiment.
Bah tiens, en voilà un autre de jeu avec une magnifique DA. Il m'aspire. Oh, y a tellement de flûtes dans le coin là. J'ai de la terreur. Oh putain, je suis dégoûté. Bah c'est fini. Oh, elle plaisante zéro cette zone. Hein. Oh, il y avait une idole derrière. Il y avait l'idole là-bas. Oh putain. Il suce mon âme, ouais. Oh, il y avait une idole juste là-bas. Triste. Triste. Coup dur pour Guillaume. Mais Guillaume ne laisse pas tomber. Guillaume continue. Ah, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. On était à deux doigts d'avoir l'idole. Mais je pense qu'on va continuer à y aller tranquillou. Hein. What? Bâtard, le bâtard! Il m'a vu! Tu me vois, toi. Ah ouais, non mais attends, mais ils sont vraiment partout les mecs. Hein. Attends, je vais attendre qu'il se retourne lui là. Regarde le mur. C'est bien. Tourne-toi vers la droite, pas vers la gauche s'il te plaît, enculé. Ils sont chiants là. Je me demande si... Je sais pas si c'est considéré comme de la terreur en fait ce que je vois depuis tout à l'heure. Je vais essayer. Salut Mao. Guillaume a canné. Elle est pas mal celle-là. Elle est bien. Sacré Cloud. T'es rigolo Cloud. Ton seul défaut c'est que t'as Ursaf dans ton pseudo. C'est dommage hein. C'est dommage, mais bon, chacun ses défauts, hein. Moi je joue à LOL. C'est pas tous les jours facile. Bah faut vraiment que j'y aille discretos. Oh. Alors je retourne les bruits de pas. Ok, alors lui il est en train de les guider. Oh là là, mais ils sont tellement partout. Cassons-nous. On tempo. Ah mais il y a un truc ici depuis tout à l'heure que j'arrive pas à récupérer. Je suis caché, tu peux pas, je suis perché. Connasse. Ouais, je trouve leur faiblesse à eux aussi là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le feu? J'ai des doutes. Ça a l'air de marcher quand même le feu. Ah ouais, ça a... Ah oui, non mais attendez, ça a l'air de marcher quand même. C'est la mauvaise potion, c'est la mauvaise potion. Il
Il a l'air sympa ce Dora l'exploratrice like. Je me laisserai peut-être tenter un jour, bien que sa difficulté soit moindre. Il est pas dégueu. Ça vaut pas Dora et la planète violette, mais c'est pas dégueu. Maintenant on a un katana donc. Alors est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça n'a pas l'air de marcher. Non, ça marche pas. Oh le bâtard. Aide-moi! Mémé, aide-moi! Ça va falloir qu'on parle de ce trailer de TOTK, parce que mon petit cœur va imploser là. Ah bon, on peut reparler Mao, pas de soucis, hein. Ça va être rapide, c'était de la merde. Ouais, c'était de la grosse merde. C'était nul. Mais non, je rigole Mao, c'était de la bonne. C'était de la bonne. Poisson à flûte utilise rayon boomer, c'est très efficace. Ah bah oui. J'y vais doucement hein, parce que visiblement ces petits cons. Mais je me demande si je peux pas les défoncer à coups de kunai. Tu sais que ça se trouve, y a moyen des one shot. Qu'est-ce que ça? Oh lui c'est le roi, c'est le roi des Aura de Wish. Il est habillé en rouge, il est pas en bleu lui. Lui il est énervé lui. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête-toi, stop! Ok, là on a vraiment buté tout le monde, je peux pas faire mieux mec, là je suis désolé mais... Fais voir un peu. Alors si je me bourre d'item ça va pas le faire. Ah oui quand même hein. Salut Edouard, bienvenue. Il est constipé, ouais. Ouh, vraiment dur hein, cette zone. Hein. Moi qui l'ai sous-estimé, ces petits cons là. Oh non, allez vous faire enculer. L'idole! L'idole! Au secours! Un vrai shonen le truc, bordel! Oh le roleplay! Oh on peut respirer là, ça y est! Ça fait du bien quand même. Hein. Tain, c'est dommage que nous on puisse pas utiliser la foudre. J'adore cet élément, c'est mon élément préféré. On peut pas, c'est dommage. Bon alors qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Ah merde. Je suis curieux de voir ce qu'on a dans ce bâtiment en fait. Ouais, joli contre sur la foudre. C'est toujours jouissif à faire.
C'est toujours fort sympathique. Attends mec, je récupère juste ton trésor et après tu peux me tuer facile si tu veux. Y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une herbe divine, nice. Un morceau de minerai, j'adore. Allez, je me casse et je continue la zone. Salut ma poule. Oh. Ouais, ça ressuscite tout le monde ça. Faire attention. Mais au moins, on a l'idole. C'est bon, on en a fini avec cette zone. Avec cet endroit du moins. Pas simple, hein, pas simple. Oh, attendez, qu'est-ce que je vois là? Il y a du loot. Il y a du loot. Oh. Allez, ça crève. Peut-être des trucs sur le toit là. Il y a clairement des trucs sur le toit. Non, c'est ma deuxième run. La première c'était en 2019 du coup. Ouais, je peux pas l'atteindre lui. L'autre il va me voir en face. Après, avec un peu de chance, il est bigleux. Il a l'air d'être bigleux. C'est quoi ce bruit? Oh putain de merde. Je rigolais mec, t'inquiète en vrai. Ah ouais. Ah ouais. J'ai fait ton homologue sans pétard. Là, je vais pas me retenir, mon gars, je te le dis. Alors, mais du coup, t'es apeuré par les pétards ou je vais me faire enculer? Tu me dis, hein. Pas de soucis. Tu me dis, hein. En tout cas, c'est très beau. J'aime beaucoup ce rose, là, cette scie à ravir. Alors, attends. Calme-toi, s'il te plaît. Wow, vous avez vu les dégâts? Je peux respirer ou... Je vais me faire foutre encore une fois. Ok, bien joué Serpentard. Ah, cette attaque là elle pardonne pas. Hein. Cette attaque là pardonne pas. Oh les dégâts, monsieur! Je suis pas sûr d'avoir fait ce boss hein, dans ma première run aussi. Hein. Wow! En plus, c'est rien de se protéger du coup. Fais dodo. Ok, plus de d'emblèmes, j'aime bien. Oh.
petit first try là. Il y a du loot hein, dans cette baraque, ça m'intrigue. Alors tu vois, mais vraiment, je crois que ce boss, je l'avais jamais fait hein, non plus. Il était caché, il était ici. Ah. Bonjour. Bon. Ça va, arrête de me canarder de flèches. Sarabada Tolosan. Jotaro. Allez, tu crèves. Du coup, on va pouvoir visiter le reste des toits. Entre guillemets, qu'est-ce qu'on a du coup? Comme quoi, on a failli rater un boss, hein, vous voyez. Mais il y a toujours cet item là-bas que j'ai pas récupéré. Hein. C'est insupportable. Il me le faut. Tout ça pour un sucre? Ah non, c'était la masse d'adipocire, ok. Je peux pas ouvrir ici? Non, je peux pas. Ok. Je vais remonter sur les toits. Moi, je trouve que l'OST de Sekiro est pas fou comparé aux autres From. Je préfère également celle des autres From, mais je la trouve quand même très cool, moi. Elle a son identité. Je la trouve très cool. Et je la trouve folle quand même, moi. Mais après, je préfère effectivement celle des Souls. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je veux le loot. C'est un autre style, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. Une écaille. Un truc de malade. Un gelano PAPM, s'il te plaît. Une eau du palais. C'est ce qu'on offre pour accueillir ceux qui se marient au palais de la source. Ok, sûrement lié à une quête. C'est super. Va falloir courir. Autant ne pas prendre de risques. Je sens la mort arriver. J'ai la nopée APM, la rêve de malade. Ah bah, petit million là en HDV. Voilà quoi. Si tu joues au feu, il te faut la coiffe de Dora. Ah, c'est vrai, ouais. La coiffe Dora, pardon. La petite panoplie Terdala, tu connais les bas. Et petit écaflip Terre niveau 70 avec la griffe joueuse. On connaît, hein. C'est vrai que Dofus, moi, c'est un jeu qui me suit depuis des années. Hein. C'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie avec League of Legends. C'est inquiétant. C'est inquiétant. En termes de jeu multi, du moins. Tiens, mais t'es tout seul, toi. Tu boudes. Ah, c'est stylé, quand même. Hein. Oh là 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 là. C'est quand même bien stylé, hein. Ça, il n'y a pas à chier. Et du coup, t'étais tout seul ici, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu gardais? Ah, j'avais oublié lui.
J'avais oublié le sniper électrique. J'avais oublié le sniper. Faut arriver. Et là, je m'y attendais en plus. Hein. Putain, mais dès qu'il t'a repéré, il te lâche pas. Hein. Foiré. Bon alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les toits? Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aurais raté? Je peux vraiment passer à côté d'items très très importants. Oui, 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 calmez-vous, ça va bien se passer. Cette idole, on l'a déjà eue. Bah, je crois qu'on a tout vu en fait. Je crois qu'on a tout vu. Ok, et on va pouvoir continuer, c'est cool. Il nous reste 30 minutes, 40 minutes de live. On a le temps d'avancer. Putain, j'aurais bien avancé quand même, hein, c'est cool. Je pensais pas first try autant de boss en fait. Merci, merci Valenian de m'avoir fait step up hein. Et même tous les souls, c'est cool. Ouah. J'avais oublié ce détail. J'avais vraiment oublié ça. Oh la putain de carpe. Un léviator le truc. Sacré bête, ouais. Et j'ai pêché un gros poisson. Ça, j'avais oublié, tu vois. Non, tu m'as dit si? Non. Tu as pas osé. J'ai entendu le bruit de la foudre. Je me suis dit, tu vas pas oser. Parce que je l'entends, hein. Je l'entends lancer ses éclairs. Non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ah lui, lui il est chiant, hein. Lui c'est un oursin sur mes couilles. Sérieux, tu peux pas repasser par là? Oh. Tu es un oursin sur mes couilles, mon pote. C'est bon, t'es calmé? C'est vraiment... Ah mais lui, si je le chope... Ok, c'est bon, il s'est calmé. Bon alors attention, là... Autre difficulté... Voilà, ceux qui jouent au foot. Alors attention, là, il y a Messi Ronaldo là-bas, là. Regardez ça, regardez les moves, mais putain, mais incroyable. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça là, mais c'est incroyable. Il n'a jamais vu ça, mec. Attention au ballon là, attention au second poteau. Attention, second poteau. Ah, ils sont partout. C'est quoi ça? Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Incroyable. Ils sont chauds, hein. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement con, il est bloqué. D'abord, ceux qui attaquent à distance. Ensuite, les corps à corps. Ensuite,
compliqué, hein. Ok, d'un. Non mais c'est... Vous êtes combien les gars là? Oh. Shaolin Soccer, ouais. Tout à fait. Le projet Blue Lock est en marche. C'est vrai, pourquoi Deschamps va chercher si loin? L'avenir du football est là. Ouais, d'accord. Ok, très jolie zone en tout cas. Hein. Pas forcément agréable à l'anus, mais agréable à l'œil. Qu'est-ce qu'on a par ici? Oula, oulala, pourquoi j'ai des souvenirs d'ici là? Le pied-ball pour les intimes. Le pied-ball. Ouais, moi j'aimerais bien aller là-bas en fait. Là-bas il y a un bâtiment que j'aimerais bien visiter en haut. Comment tu veux que je l'atteigne? Ah bah t'es là depuis tout à l'heure toi et tu fais rien. Tu vois tes potes se faire massacrer et... Bah... Ouais, puis là-bas, il y a le marchand en plus. Ah, mais il y a une grotte par laquelle on peut arriver là-bas. Ok. Je pourrais y aller plus tard. Nice. Je vais continuer par là-bas, du coup. Ah, à moins qu'on puisse par là, non? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est quand même une très belle zone. Hein. Pourquoi j'ai des souvenirs de ça? Nous sachons ce qu'il y a de traumatisant dans loin. Moi j'ai des souvenirs de cet endroit parce qu'effectivement... Il va se passer un truc, non? Parce que c'était il y a 4 ans. C'était un petit peu éloigné mais pas assez pour que je me dise je ne risque rien ici. Ouais, il y a un boss, on est d'accord. Ah ouais, il y a un boss. Hein. Il y a un boss qui s'est activé. Il y a un boss qui s'est activé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, oh putain, oh putain. Qu'est-ce que j'ai vu en bas? Non, pas eux, bordel. Ils sont chiants, eux. Hein. Ils sont très très chiants. J'ai plus beaucoup de popo, en vrai. C'est bien dommage. Non, je vais mettre les confettis ici. Voilà. Il était pas assez payé pour en avoir quelque chose à foutre. Le mec qui buguait là? Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Qui m'a vu? Très bien. Bon, comment on va faire? Je me rappelle plus de lui. Ah mais c'est le même que la dernière fois en fait. C'est le même que dans la grotte. Non, sérieusement, vous venez me casser les couilles, vous? C'est pas le moment, mec, vraiment, là.
dégage. Ah, voilà autre chose. Je peux respirer ou je vais me faire foutre? Quel enfoiré quand même, hein. Quel salaud. C'est pas fini. Si ça passe là, mec, vraiment. Oh merde. Dommage. Il est compliqué, lui, hein. Je me balade tranquillou. Je me balade, hein. Tout va bien. Ne paniquez pas, je maîtrise la situation. Voilà, de la patience. Bordel de merde. Quoi ce boss en femme? C'est le sans tête. Quoique celui-là était pas sans tête. Eh ben putain. Qu'est-ce que j'aurais pris dans la gueule aujourd'hui? Pourquoi je suis en train de fumer comme ça là? Ça va ma prothèse Shinobi là? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de fumer là. Et calme-toi, ça va bien se passer. Merci pour les GG. Il y en a 7. Ok, bah c'était le 3ème celui-là. Non, c'était le 4ème, pardon. C'était le 4ème. Par contre, mec, j'ai plus de vie. J'ai plus de popo. Je me casse. Je suis en train de fumer, hein, t'as vu? Qu'est-ce qu'elle a ma prothèse Shinobi? Je suis en train de bugger. Hein. 500 têtes et 3 guerriers Shishimen. Donc il y en a 8. Ok. C'est la première fois que j'ai un bug comme ça là. Au moins la buter. Ah oui, il suffisait de changer d'outil de prothèse, effectivement. Petit bug visuel, rien de trop grave. J'étais en train de fumer. Ok. Oh putain, attention, fais pas le con, mec. C'est probablement pas par là qu'il faut aller. Nice. L'outil vapoteuse de la prothèse. Tout à fait, c'est moi qui l'ai débloqué. En avant-première. Et non, du coup, ouais. Non, il faudra passer de l'autre côté. Je vais continuer à gauche. What? Par contre, là...
Ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Zut. Prendre des petites boulettes parce que là, j'ai quand même pris cher. La puissance et la vitesse de tes coups ont mis feu à tes muscles. Cela m'arrive constamment. Putain, tu te noies quoi. Putain, mais trop cool quoi. Il va à la salle. Ok, un petit ballon. C'est les flageolets? Ok, d'accord. Bon, ça c'est un peu moins sexy ça. Je peux comprendre. Encore? Foie d'anguille. Très bien. Je suis bientôt à 4 de compétences, ce serait cool qu'on évite de crever en vrai. Ce serait dommage de perdre ça. Je regarde si j'oublie rien. Ça m'en a pas l'air. Par contre, dans mes souvenirs, il y a une idole hein, au-dessus. Hein. Il y a une idole pas loin. Il y a une idole pas loin. Putain, mais tu t'y retrouves pas, hein. Quel bordel. Puis j'ai plus de petites boulettes. Ah, puis là-bas, on a passé l'endroit en fait que je visitais. Non, il doit y avoir une idole là-bas, c'est sûr. Il est mort, lui? Ah oui, c'était là qu'on avait battu le boss, ok. Et moi, je voulais remonter ici. Je voulais remonter... Quelle satisfaction de counter la foudre. Ouais, je confirme. C'est très très cool. En plus, bon, tu peux la jouer un petit peu, c'est cool. Parce que sinon, bah, tu peux pas jouer foudre. Tu peux jouer feu. Et tu ne peux pas jouer foudre. Bon, alors c'était ici dans le bordel. Je crois que c'était ici, hein, ouais. C'était ici. Salut Olympe. Alors... C'est vrai que cette zone est un peu longue. Putain, je peux pas aller là-bas. Ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas, ça, monsieur l'arbitre. Ok, je remonte là-bas. Faut vraiment que je m'occupe des deux guerriers Zora de Wish, là. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, là-bas. Ils m'ont fait tomber, les coquins. Ils m'ont fait tomber. Oh. Qui ça? Dommage. Allez, ça crève. Oh. Compliqué cette zone, vraiment. Je sais plus si c'est la toute dernière, mais en tout cas, si oui. Ça sent un peu en vrai. Parce qu'attends, si c'est la toute dernière, on aura avancé grave vite en vrai. C'est tout? Y'a rien ici? Non. Y'a pas d'idole. Oh, les enfoirés, ils ont pas mis d'idole. Ouais, pour moi, c'est des auras de Wish. Ils ressemblent un petit peu. Non, mais l'idole, elle doit être derrière la porte à tous les coups.
La porte tout là-bas, là, que j'ai pas réussi à ouvrir. Tant pis. Ouais, la core, ok, c'est super, j'aime beaucoup. Ah, y'a un mur invisible. Genre, je peux pas aller là, là. Oh putain, t'es sérieux. J'ai envie de buter le sniper, ouais. J'ai très envie. Ce petit enfoiré. En plus, si tu le tues, je crois pas qu'il revient, si je dis pas de conneries. Il me semble pas qu'il revienne si on le tue. Salut, enfin du Sekiro, j'attendais un live dessus. Et bien voilà. Et tu as les rediffs également. Parce que là, c'est quoi? C'est notre quatrième live, ouais, je crois. Ou troisième. C'est le quatrième, il me semble. Ah non, il fallait descendre. Mais comment je vais descendre sans me faire des dégâts, moi? Ah, bonjour. Ok, 4 compétences. Ah, mais c'est nouveau ici, putain. C'est quand même un bordel. Comment on va faire? Ils sont 3 quand même, les mecs. Hein. 4, 5, ils sont 5. Pouf! Ok, allez, bon lui c'est le grand chef. C'est pas passé. Merde. Eh bien. Yes. Oh là, je le mérite. Hein. Là, je le mérite. Putain, après tout ce que j'ai traversé là, sans crever, je le mérite, cette idole. Ouh. Je me suis fait défoncer. Ah, il est là-bas. Oh, le petit enfoiré. Ah, mais c'est un boss. Jouissif que la mort de Ramsay. C'était un boss, hein. C'est pour ça qu'il repop pas, ok. Oh, le first try, quoi, incroyable. Incroyable. Ah, je peux pas remonter ici? Non. En bas, il y a les dogos. Attendez, mais y a un truc, là. Je rêve pas, là. Je ne crève pas. Mazette. Rapide le boss. Ah, il était hardcore. Hein. Oh, il était très très dur. Oh là là là, cette zone de farm quand même. Incroyable. Mais on... c'est fou en fait. Et comment je vais aller là-bas moi du coup? Un escalier qui part par là-bas, mais ça m'a pas l'air fou. Je peux pas... J'ai pas une attache, non? Pas d'attache de grappin? Ok, bah écoutez, je vais aller à la nage. Jamais vu le boss de fin de Sekiro. Jamais vu Ishin? Bah, tu vas kiffer. Très très dur. Hardcore du cul. Avant, le boss le plus compliqué de tous les From pour moi, après Malenia. Et le démon de la haine.
Ah bah voilà la carpe. Ah non. Ah bah si. Ah, par le tunnel tout sombre qui sont pas très bons. Ok, on va passer par derrière alors. Attends, mais comment je fais pour aller là-bas, moi? C'est pas une bonne idée. Quelque chose me dit que c'est pas une bonne idée ce que je fais. Je sais qu'il y a la carpe, mais j'ai envie de tester. Oh, j'ai envie de tester! Okay, clairement, ça c'est fait exprès. Voilà, ça c'est fait exprès. Ce serait con qu'on se fasse becter quand même. Connasse! Oh, elle s'est assommée cette conne! Oh. Oh, la musique de Resident Evil, quoi, incroyable. C'est vraiment un gros poisson, hein. On est d'accord. Au moins, on l'a passé. Oh là là, mais que c'est beau ici. Oh là 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 là. Fort sympathique. Ah, mais moi, tu mets des petites pétales de cerisier. Oh, je suis aux anges, quoi. C'est fou. C'est fou. Ok, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on va monter? Ah, j'économiserai bien pour ça, moi. La charge de l'ombre, je sais pas. Sinon, il y a le drop augmenté. J'ai affronté les deux Donkey Kong, ouais. Tout à fait. Ok. Ok, bon bah écoutez, 4 heures de live, on va s'arrêter là. On continuera dimanche. On a bien avancé, c'est cool. Ouais, ouais, je vais aller faire le tech de DS3 là pour demain. Dimanche, fin du jeu, franchement, j'en sais rien. Je sais pas exactement où on en est par rapport à la fin du jeu. Mais à mon avis, il va falloir consacrer un live entier à Isshin et au démon de la haine. Voilà. Allez, c'était cool les gars, merci d'avoir été présents. Moi, je vais re-regarder pour la 10e fois le trailer de Zelda et je vous dis à dimanche, je ne suis pas là demain. Bonne soirée, bon appétit.